Salut les gars. Bon, aujourd'hui départ au ski. Je suis en train de faire tout mon sac. Je vais mettre la créatine. On va mettre les oméga 3 pour être en bonne santé. On va mettre la glutamine. Ensuite, on n'oublie pas, pack de chewing-gum pour la mâchoire. On reste focus. Enfin, vous allez penser que je fais que les pecs. Alors pas du tout. Non, je rigole. Non, je fais un peu que les pecs. Payer un peu moins cher. Et puis soutenir votre gars. C'est le code Mike, hein. Bon, du coup, les gars, c'est cool parce que là, je suis hype de ouf. C'est rare. Hype de bitch. Hype d'aller au ski. Hype de retrouver Famacito. Parce que les gars, je vous ai pas dit. Il y a Famacito qui rentre. Donc, les gars, Famacito, c'est mon meilleur pote. Le 10 mai là. Et il rentre de Guyane. Il était parti en Guyane. Et ensuite, il repart pour ensuite revenir et définitivement revenir en France. Et après, les gars. J'ai mis de la laque, les gars, mais c'est pour que ça ressemble à rien. Autant ne pas en mettre, quoi. C'est-à-dire que c'est l'intention qui compte, hein? Moi je pense. Bah. Parce que si c'est l'intention qui compte, dans ce cas-là, tous les perdants sont gagnants. Et quand t'es perdant, là. T'es pas gagnant. J'ai quand même connaissance qu'ils tombent dans la drogue en fait. Genre, enfin, ils tombent parce que c'est facile. Ils se rendent pas compte qu'ils tombent. Mais en fait, ils tombent parce qu'ils parlent de la drogue comme un truc incroyable. Et viens, genre, sur les technos, on prend des tazes. En fait, n'importe quel bolos, il peut prendre un taz et avoir du plaisir de fou. Exactement, tu mérites pas ton plaisir. Bah. Moi, je fonctionne en élite. Alors que tu vois, si tu charges, bah, c'est un peu vérité quand même. Non. Dieu. Your name. A better yet,
Fin du jeu. C'est fini. Pendant 4 jours, plus de salle. Ça va être compliqué à vivre, mais bon. On va faire les efforts nécessaires pour survivre à cette épreuve compliquée. Là, on rentre, on mange 230 grammes de riz pesé cru. Donc, autant te dire que j'ai la flemme. Bon, les gars, c'est une fin de séance. C'était une bonne séance pec, on a fait que pec, on n'a pas fait les abdos, ni les épaules, ni les triceps. On a juste fait les pecs, donc c'était une séance cool. On a envoyé 140 au bench et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, plutôt content de la séance. Bon, toi par contre, ça va être compliqué pour que je passe. Allez, super. Kira, je t'arrête. C'est demain. C'était la guerre pour que je passe. Bref, content de la séance, j'étais dans un bon mood. J'ai réussi vraiment à me motiver avec des bonnes petites musiques et tout. Enfin, vraiment un bon mood, genre. Bon mood de la salle. Du coup, content. Et puis là, je vais retrouver du coup Famacito et les deux autres zigotos. On va être quatre, on part au ski. Du coup, je suis content de pouvoir vivre des journées comme ça. Vraiment, vraiment reconnaissant d'avoir cette chance-là, de pouvoir être hype. De voir ton pote et puis de vivre des moments comme ça, tu vois. Vraiment, on néglige trop. Je vous fais un petit discours là parce que demain, en fait, t'as plus de jambes, mais tu te rends compte que quand tu marchais, c'était super. Et c'est exactement pareil. Tu sais, un matin, tu te lèves, t'as mal à la gorge et tu te dis merde, putain, mais pourquoi j'ai pas profité quand j'avais pas mal à la gorge. Et bien là, c'est pareil, mais avec parfois des choses beaucoup plus graves, des accidents, et tu vois. Donc, toujours être reconnaissant. Voilà. Soyez reconnaissants de ce que vous avez et puis faites des PR au bench aussi parce que c'est important. J'ai transgressé à la règle. J'arrive pas à finir et je vais être en retard. J'ai pas fini mon repas. Vraiment, prise de masse pendant 4 jours, elle va être compliquée à tenir. Là, je vous parle à la bouche pleine, je suis désolé. Pas plus réussir à finir mon repas. Impossible, il faut pas que j'arrive en retard. Ça pue ça, mais... Attends, faut dire la destination, ok. On a oublié de vous dire, les gars, dans la salarie. J'ai vraiment peur d'être mauvais, d'être gaze. Mais au moins, je mangerai du magret le soir, tu vois. Je rentre à la loc. C'est ça. Moi, bon, les gars, ça peut être la première fois et c'est moi qui vais lui apprendre à faire du snow. Oh, ok, les boys, là, on se prépare pour aller skier. Il y a pas vraiment de montagne. En face de la montagne. Il y a pas vraiment de neige. Santé YouTube. Santé. Toi aussi, t'as jamais vu sur YouTube. Moi aussi, je suis enchanté. Il est enchanté. Bon, mais c'est avec des gens enchantés. Il n'y a pas de neige, mais ça va être drôle. Ouais, c'est trop drôle. Ah, let's go. Voilà. Le départ est... Souhou. La bonne ref. La bonne ref à Yvick le God. On est arrivé. Les gars, on va dévaler les pistes. Verdict. Je kiffe du tout. C'est pas ça, quittez la France. Ça qui est juste atroce. Genre, je sais pas si on s'en rencontre. Tellement pentu. Genre, et moi j'ai jamais fait snow, du coup je suis un peu dans la merde. Ouais, c'était un peu dérangeant là, parce que j'étais pas très bon. Je me suis cassé la gueule plein de fois, mais là je suis en train vraiment de tenir quelque chose, une petite technique. J'arrive à tu vois. Donc là ça fait quoi, 40 minutes? Ouais, un truc comme ça. 40 minutes? Et vous allez voir les mots. Le poids max c'est 90 kg. Ok, presque. Je commence un peu en truc, Ken. Ouais. Je valide. T'inquiète. Gère bien. Voilà. Je prends la vitesse. Merde, c'est moi qui ai plus de vitesse. Juste. Ah. Magnifique. Bon, faudrait que je vous montre un petit peu mes progrès en ski parce que... Parce que là ça va, je commence à me débrouiller un peu mieux. Un bon petit niveau pour quelqu'un qui vient de commencer. Yeah.
Ça fait une heure que je suis. Donc, une heure, on va prendre. Il y en a plein qui ont dit que j'allais galérer. Ils ont eu raison, mais pas comme ça, tu vois. Moi j'ai laissé mes potes finir. Moi je suis tranquille là, tout seul, j'apprends, mais bon ça m'a un peu saoulé, ça fait 3 ans que j'y suis donc je vais partir. Incroyable le paysage les gars. Incroyable. Là je suis resté un peu trop longtemps du coup. Bon, ça m'a un peu saoulé. J'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de manger surtout parce que là les gars j'ai pas bouffé depuis. Ce matin je me suis levé, j'ai mangé des Coco Pops avec un cordon bleu genre. Et ensuite j'ai mangé une crêpe, genre il n'y a vraiment pas de diète. On est à la métro, on a pris du magret de canard, on a pris des tenders, des, enfin, tu sais, des trucs, mais ouais, je me permets sur 4 jours, je ne vais pas te compter, tu vois. Donc, tranquille. Ok l'équipe, deuxième jour, là par contre il neige. Ça neige l'équipe. Non, non. Ouais, c'est mieux en haut. Ça neige. Oh là là les gars, c'est prime. Là on va scope de la vraie neige l'équipe. On va pouvoir bien becter. Bon les gars, deuxième journée, encore tout seul. Mes potes en fait ils sont trop forts. Mes potes sont trop forts et du coup je peux pas les suivre. Du coup je passe ma journée tout seul, je me bosse, je fais un peu de snow et après j'arrête, je reprends. Du coup. Pas une très bonne expérience, honnêtement. En tout cas c'est très beau. Mais c'est très beau. C'était la première fois du coup que j'allais au ski. Les gars, on s'est littéralement arrêté. Genre ça bouffe plus. Je crois qu'il y a trop de vent ou peut-être une panne de courant. Mais en tout cas, ça bouge plus. Du coup vraiment pour une première les gars, waouh. Je m'arrête en plein milieu, c'est pas fameux.